Bah en même temps, si j'avais pas pris les noirs. Mauvais joueur? Mais pas du tout. Chacun sa spécialité, c'est tout. Toi, c'est les échecs. Moi, c'est Carlo Crado. Un jeu pour les gamins. Excuse-moi, si c'est pour les gamins, explique-moi pourquoi c'est marqué 4 ans et plus sur la boîte. Bon, de toute façon, ton truc, il est ni fun, ni réaliste. Je vois pas une seule bonne raison de jouer à un jeu pareil. T'as commandé Uber Eats? Bonjour à tous et bienvenue dans Vade Rétro. Est-ce que vous connaissez ce magnifique pays qu'est la Nouvelle-Zélande? Ah, la Nouvelle-Zélande, connue pour ses paysages magnifiques, son équipe de rugby et ce fameux fruit dont le nom vient d'ailleurs d'un oiseau manchot poilu ultra chelou. Mais la Nouvelle-Zélande, c'est bien plus que les beaux paysages, le rugby et les kiwis. C'est aussi des relations sexuelles avec des moutons. Et du cinéma. Parce que s'il y a un pays qui se taille une place de géant dans l'industrie de l'image, c'est bien celui-là. Sachez déjà que l'histoire du cinéma néo-zélandais est liée avec la France, car les toutes premières productions cinématographiques de cette île lointaine, réalisées en 1912, sont celles de Gaston Méliès, réalisateur français et frère aîné du légendaire Georges Méliès, le père fondateur du storyboard et des trucages au cinéma. On a vraiment tout inventé, nous les Français. Le cinéma, la mayonnaise... La guillotine. Le premier film néo-zélandais à se faire connaître internationalement est le poignant thriller Sleeping Dogs, sorti en 1977. Premier film de Roger Donaldson et premier rôle connu de Sam Neill. Mais s'il y a bien un cinéaste qui a lancé son pays dans l'industrie, c'est Geoff Murphy. Réalisateur déjà responsable du road trip déjanté et succès mondial Goodbye Pork Pie, du mystérieux film apocalyptique The Quiet Earth, et surtout du sublime chef-d'œuvre Utu. Sorti en 1984. Une véritable claque cinématographique, considérée d'ailleurs comme le meilleur film néo-zélandais par Quentin Tarantino. Sérieusement, si vous voulez voir du grand cinéma, regardez Utu. C'est Utu tout rien. Non. Jane Campion marquera les années 90 avec son sublime drame La Leçon de Piano, mais c'est surtout Peter Jackson qui a révolutionné le cinéma avec son adaptation de la trilogie du Seigneur des Anneaux, au début des années 2000. Et qui lancera plus officiellement son entreprise d'effets spéciaux, la compagnie Weta Workshop et Weta Digital, impliquée dans de très nombreux blockbusters comme Le Dernier Samouraï, Avatar, District 9, The Avengers, Deadpool et bien d'autres. Bon, même si pour moi, Peter Jackson restera surtout le réalisateur de Dead Alive, un film d'horreur à mourir de rire, aussi loufoque qu'un film de Weber et aussi gore qu'un épisode de Maïté. Je vous le recommande au moins pour la scène du tabassage de bébés zombies, ou pour la scène de la tondeuse à gazon dans le salon. Du grand art. La Nouvelle-Zélande participe très grandement à l'industrie cinématographique mondiale, en décors, effets spéciaux et cinématographie en général. Mais le film dont je souhaite parler aujourd'hui n'est remarquable ni par la beauté de ses paysages, ni par des effets spéciaux, ni même par son budget. L'une des œuvres néo-zélandaises qui m'a jusqu'ici le plus marqué est un film beau par sa simplicité et son économie de moyens. Un film sur la famille, sur l'adolescence, sur les accomplissements et sur les échecs. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes assez curieux pour découvrir, une fois de plus, un vrai film de l'ombre. Ou alors vous êtes arrivé trop en avance à votre rendez-vous chez le dentiste, du coup vous poireautez dans la salle d'attente avec votre portable, et je suis tombé dans vos suggestions YouTube. Mais ça reste une bonne excuse, hein. Le film, c'est The Dark Horse. The Dark Horse, à ne pas confondre avec The Dark Horse, ou Dark Horse, ou Dark Horse, ou Dark Horse, ou encore ça. Ça ressemble à Stargate. C'est clairement de l'appropriation culturelle. The Dark Horse est un drame néo-zélandais sorti le 17 juillet 2014 en Nouvelle-Zélande et sorti le... Ah bah non, il est pas sorti en France. S'il existe en français. Oh, regardez une chef qui danse.
Le film est réalisé par James Napier Robertson, un écrivain, réalisateur, producteur et acteur néo-zélandais, et officiellement le végétarien le plus sexy de 2014. Bon, en même temps, c'était lui ou Ariel Dombal. Qui a travaillé sur de nombreuses séries TV, et qui a juste réalisé un autre long métrage, I'm Not Harry Jensen, un petit film ultra top budget correct mais pas ouf, disponible en intégralité sur Vimeo pendant un temps limité, et posté il y a 9 ans. Ah ! Mais tout ça n'est pas important. Ce qu'il faut retenir sur James Napier Robertson, c'est surtout qu'il a joué le Ranger Rouge dans Power Rangers Dinotonnerre. Un Power Rangers a réalisé un drame sur les échecs. Je veux mon trophée Camoulox. A savoir que The Dark Horse s'inspire de la vraie vie de Genesis Potini, un champion d'échecs maori atteint d'un sévère trouble bipolaire et spécialiste de Blitz, ou jeu éclair, qui consiste à battre son adversaire en une minute. Sa passion pour ce jeu l'a aidé à faire face à sa maladie. Il a, dans les 10 dernières années de sa vie, rejoint un club d'échecs, les Eastern Knights, fondé dans les années 2000, composé de jeunes enfants orphelins ou défavorisés. Au travers des échecs, Genesis a aidé ces jeunes enfants à trouver leur voie et à les détourner de la délinquance et de la drogue. Un club grâce auquel Genesis Potini et son acolyte, Noble Kinnan, ont prouvé qu'un jeu aussi complexe que les échecs n'en est pas moins accessible à tous, et qu'il apporte bien plus qu'un simple divertissement. D'où la devise du club, Faikingi Ahakoa Kiea Mo'i Atangata, qui signifie « Ayez un roi où que vous soyez pour votre peuple », mais que l'on peut aussi traduire par « les échecs en tout lieu et pour tout le monde ». C'est toujours bien de vivre selon une devise noble. J'ai importé la mienne. Oui, bon, Google Traduction n'a pas forcément géré sur ce coup-là. Dans le film, Genesis est incarné par Cliff Curtis, un brillant comédien néo-zélandais ayant joué dans de nombreux films locaux, comme le très célèbre L'âme des guerriers ou le très touchant Paille. Deux films qui méritent l'appellation de films cultes et que je vous conseille sans hésiter. Il a également percé dans le cinéma hollywoodien, et si son visage vous est familier, c'est que vous avez dû le croiser dans les très nombreux films dans lesquels il a joué, comme Training Day, À tombeau ouvert, Les rois du désert et tout plein d'autres. À ses côtés, on retrouvera James Rolleston, un acteur bien moins connu du public, mais qui me donne l'occasion de vous inviter à regarder le très drôle et très touchant Boy de Taika Waititi, dans lequel il a joué le rôle principal à l'âge de 13 ans. Si vous aimez les enfants, les chèvres et Michael Jackson, alors je ne peux que vous recommander un psychologue. Pour les autres, regardez Boy. Le film nous introduit à Genesis, envoyé en centre psychiatrique après s'être fait escorter par la police pour trouble à l'ordre public. Enfin, un trouble. Tout ce qu'il a fait, c'est danser sous la pluie et jouer aux échecs. Et après, on dit que la police française est vache. Son grand frère Ariki, membre des Vagrants, un dangereux gang de rue, accepte de le prendre en charge. Genesis rencontre alors son neveu, Mana, qui attend ses 16 ans pour passer la grande initiation qui lui permettra de rentrer dans le gang. Il découvre en parallèle l'existence d'un tournoi d'échecs pour enfants, et va à la rencontre de son ami Noble, qui s'occupe d'un petit club d'échecs pour orphelins et enfants défavorisés. Jen se donne alors pour mission de préparer les adhérents de ce petit club à l'aventure du grand tournoi d'échecs d'Auckland. Entre la relation avec son frère, son neveu et le club qu'il a rejoint, Genesis va mener un grand combat contre ses peurs, sa maladie, et tenter de faire renaître un peu d'espoir dans ce quartier difficile. Alors même si en général je ne suis pas du tout amateur de cinématographie naturaliste, celle de The Dark Horse trouve sa place dans le film. La caméra portée, la photographie nue, et ce style presque faux documentaire nous plonge dans une nouvelle réalité, celle du personnage et de son entourage. En même temps, en plus de mettre en scène un homme qui a existé, le film a une dimension semi-réaliste. Wayne Happy, qui joue Ariki, le frère de Genesis, n'était pas acteur avant ce film. Il a été choisi pour son expérience réelle d'un gang dont il faisait partie. Et plus je vois ce film, plus je me dis que les enfants du club n'étaient pas comédiens non plus. Car le naturel de leur jeu et de leur réaction est d'une touchante sincérité. Les enfants sont des acteurs naturels. Et puis des fois ils sont pas chers. Surtout s'ils sont orphelins. C'est un peu comme les SDF que j'embauche pour installer ma lumière. Je les paie avec des sandwichs au thon. Enfin, c'est pas du vrai thon en fait, c'est de la sueur dans de la mayonnaise. Je suis un monstre. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que son sujet aborde des thèmes très différents les uns des autres. La représentation complexe et réaliste du trouble bipolaire, des gangs de rue, et de la relation à la famille, sort des carcans classiques représentés au cinéma. On est par exemple confronté aux relations entre Ariki et son fils, le père laissant un des membres des Vagrants régulièrement violenter et humilier Mana dans sa propre maison. Car c'est la façon traditionnelle du gang d'éduquer pour faire face aux difficultés de la vie. Et en parallèle, on découvre la connexion quasi muette et pleine de sensibilité qui relie Mana et son oncle Genesis. Ce style épuré nous plonge littéralement dans la réalité du film. Particulièrement tous les moments de silence qui nous recentrent sur nous-mêmes.
Genesis représente le combat face à la dispersion mentale. Entre ces moments de crise dans lesquels il répète inlassablement les mêmes phrases jusqu'à ce qu'elles en perdent le sens, jusqu'au précieux instant où il est en paix avec lui-même. Là où aucun mot n'est nécessaire. Même dans le petit monde du club des Eastern Knights, bien que composé d'enfants pleins de vie et un peu turbulents, dommage qu'ils autorisent plus le Xanax dans le chocolat au lait. Ils sont malgré tout toujours ancrés dans le présent, jamais cachés derrière un écran de télévision ou un ordinateur. Ils sont en phase avec les autres et avec eux-mêmes. Et de cet univers se dégage une chaleur humaine profonde qui nous touche et nous emporte au gré de toute une palette d'émotions. On peut d'ailleurs tracer un parallèle intéressant entre les Eastern Knights de Genesis et Noble et le gang des Vagrants auquel appartient Aleki. Les Vagrants représentent la perte des valeurs maoris et leur survie par l'intermédiaire de la violence, dans un monde qu'ils ne voient que comme dystopique pour leur peuple. Alors que les Eastern Knights témoignent du profond respect qu'ils portent à la solidarité propre à leur culture. La quête de Genesis est de se sauver en aidant cette communauté, et l'épreuve de Mana est de devoir choisir entre ces deux familles que tout oppose. Bien entendu, abondent les nombreuses allégories et symboliques liées à ce jeu à la fois populaire et hermétique pour certains, le Docteur Maboule. On s'amuse comme des malades! Vous imaginez ça? Tout un film sur le Docteur Maboule? Moi non plus. Mais non, je parle bien sûr des échecs. Un jeu dont les origines sont encore aujourd'hui pleines de mystères. De nombreuses théories existent autour de la naissance de ce jeu légendaire, et de quel est son premier ancêtre. Du Chaturanga en Inde, du Shaturang en Perse, du Xiangxi en Chine... Moi perso, je mise sur la roulette russe. Ça se joue au moins à deux. C'est du tour par tour. C'est stratégique. Sans compter l'évolution du jeu en Arabie et les dimensions politiques qu'a pris sa pratique en URSS durant la guerre froide. Et qui dit mystère, dit légende. Et les échecs ont tout un folklore. Du sage Sissa qui se joue du roi et lui vole du blé en Inde, au philosophe Xerxès offrant ce jeu de guerre pour calmer les folies meurtrières d'un souverain, ou au héros Palamède qui l'utilise pour divertir l'armée grecque pendant le siège de Troie. En fait, oubliez le poker, hein. Le vrai jeu pour faire des coups de pute, c'est les échecs. Et le Monopoly. Ouais, y a rien de mieux pour détruire des familles. La preuve. Espèce de pute. Dans The Dark Horse, Genesis réintroduit les échecs aux enfants via la légende du demi-dieu Maui, l'un des grands héros de la littérature polynésienne. Les mouvements stratégiques des pièces sur le damier représentent les nœuds avec lesquels Maui a créé le filet pour attraper le soleil. Le plateau lui-même représente la Nouvelle-Zélande, qu'il a tiré hors de l'eau avec son hameçon magique. De ces légendes, Genesis exhume l'héritage maori, leur culture et leurs valeurs. Ce n'est pas pour rien qu'il sort ce club du garage de son ami pour les faire jouer dans un marae, un lieu sacré où les religions et les traditions prenaient place entre les tribus, ou qu'il passe ses nuits tout en haut de la colline Kaiti, colline sur laquelle les premiers colons anglais, dirigés par le capitaine James Cook, ont découvert ce pays en 1769. Genesis est, en un sens, l'un des grands gardiens de l'héritage maori. Outre les légendes, Genesis utilise les échecs pour permettre aux enfants de se découvrir, de comprendre l'importance de la famille et de la communauté. Chacun des enfants conserve une pièce qu'il rapporte sur le plateau à chaque réunion du club, pour ne pas oublier que chaque membre, du plus petit au plus grand, reste essentiel au groupe, et que c'est leur union sur le plateau qui crée leur force et affirme leur identité. Alors que Genesis essaie de trouver sa voie dans le film, il entraîne non seulement les enfants sur la voie de leur spiritualité, leur intelligence et leur imaginaire, mais aussi le spectateur. Malgré toutes ces thématiques, malgré toute cette profondeur, The Dark Horse, c'est avant tout un film profondément sincère et qui saura vous toucher dès les premières minutes. En fait, j'avais juste envie de partager avec vous un film simple, beau et chaleureux. J'ai rien à rajouter. À part peut-être, bonne soirée et bonne séance. Je suis bien à la résidence de Monsieur Kilgore. C'est pour le calendrier des pompiers ? Je suis le grand moissonneur, et je viens récolter ton âme. Oh, à moins que tu ne veuilles la jouer autour d'une partie. On la joue au Carlo Crado ?